Et bonjour à tous et à tous, c'est Equidosol 166 pour l'épisode 2 sur Spyro 1, du coup. Spyro the Dragon. Sur la Reignited. Oui, quel drôle de mot. Je sais pas où est la boîte. Bah alors. Elle est là. La Reignited Trilogy. Ah, bien entendu. On le fera à 100%. Alors le 1, ça va être le plus rapide, bien entendu, à faire à 100%. Et le jeu est très court. Les gens estiment 10 heures pour faire 100%. Je pense que vu mon rythme, ça sera peut-être un peu plus court. Je planifierai un petit 8 heures. Voilà, peut-être que le monde 1 n'est vraiment que mis en doute et que tout change après. C'est réellement. Oh mais attends toi, tu fous de ma gueule, mais attends, je libère juste le passage. Quand il n'y aura plus d'autres ennemis sur ta course, je vais te suivre et je te lâcherai pas. Ça c'est pareil, ça se fait, il n'y a pas dans le 3. Alors, à nous deux. Ouais, j'ai rattrapé quoi. Dans le 3, je crois qu'on peut pas les rattraper. Hein. Vraiment, il faut couper des virages. Putain, et ça revient de ouf en vrai. Hein. Le gameplay là, instinctivement, j'ai fait un bon enchaînement là. Sprint, deux exécutions en l'air. Assez fier de moi. Et Conan le barbare. Quoi? Hein? Oula. A chaque fois que c'est un nom de guerrier connu, tu tombes sur un vieux. Il y a peut-être un truc là à la fin du niveau. On verra. Comment je peux accéder? C'est un escalier ça? Elles sont stylées, moi je trouve. Hein. Après, là c'est la version Reignited. Peut-être que dans le jeu d'origine, elles sont pas aussi stylées. C'est possible. Alors, ça par contre, quand t'as pas le bon angle sur un ennemi, impossible de rectifier le tir. Aïe. À 193, ah 400, ok, là on parle. Ivor ou Ivor? C'est toi Spyro, le jeune dragon dont j'ai tant entendu parler. Alors que tu ne crachais encore que des volutes, on savait que... Ah, j'ai oublié. Oh, ça va être compliqué d'aller là-bas. Quoique non, peut-être pas en fait. Je sais pas si on peut le faire ce saut. Sérieux les gars, j'ai un doute. J'ai un gros doute. Ouais, j'ai vraiment un doute. Hein. Là-haut, ça sera peut-être mieux. Ok, d'accord. Je
Regarde, il me faut une clé. Comment ça, il me faut une clé? Le canyon aride récompense les bons planeurs. Tu sais bien planer, hein, Spiro? Je suis né pour planer. Okay. Apparemment, la façon comment Spiro a été doublé a très mal vieilli. Enfin, la façon comment il a été écrit rend le personnage vraiment pénible actuellement, en mer la vie. C'est pas le cas des autres. Mais apparemment dans le premier c'est le cas. Donc il y a apparemment parce que voilà, je pensais pas plus. Alors, fait intéressant. Comment voilà. Non, parce qu'apparemment, dans le 2 et le 3, c'est pas du tout un problème. Ah. Il manque la clé là. Allez, c'est qui le papa? Pourquoi t'es debout, toi? D'accord. Quel vol plané, en fait, t'as regardé Beethoven, j'ai cru que je resterais bloqué avec ces affreux vautours autour de moi pour toujours. Ils ont l'air méchants, mais ils sont délicieux. Grillés à point avec une pincée de sel. D'accord. T'as pas intérêt à te plaindre parce que t'es fatigué demain. Hein? Non, je me casse la gueule. Quoi? D'accord, et bah demain. Ouais. Oui, je vais pas manger. À demain, du coup. Non, en vrai, les bugs de Fighter, je vois même pas quoi faire. Je sais même pas quoi faire. Putain, en fait je peux pas me dire je peux pas passer par là. Oh non. Ah c'est même chouette, c'est vrai qu'une petite doublette, une question d'écriture aussi. Alors après peut-être que ça vient de l'adaptation. C'est encore un autre débat. En fait apparemment il est hyper arrogant et chiant dans le premier. On voit bien de toute façon tout à l'heure, le vieux il veut nous raconter une histoire et il dit non mais je suis pas intéressé. 25, je pense pas qu'il y en ait 25 dans le coffre en vrai. Au pire, de toute façon, je serai dans cette zone, donc je terminerai à fouiller cette zone au cas où il m'en manque. Bah, même MGS1 en vrai. MGS1, ça va être le doublage le plus nanar. Ah, bah si, 25, comme ça, c'est réglé 100% direct. Hop. C'est fou comme il est pas. Enfin, je dis ça, c'est le début, hein. Mais on verra pour Spyro 3. Bah, après Spyro 3, le truc c'est que je connais déjà, mais dans ma tête, Spyro 3, c'était super dur de faire les niveaux à 100%. Là, genre,
se passe pas plus d'une minute par niveau quoi. Je peux déjà. Genre là j'ai fait un seul niveau du deuxième monde, je peux déjà aller dans le troisième monde. Mon genre de Mokdok, tu veux qu'on se tire l'oreille? Bon après ça il le dit aussi en anglais, hein. En anglais il dit you want to pull each other ears. Ce qui doit pas être facile à prononcer. Voilà. Ah bah. Village perché. Point de compétence. J'ai un point de compétence, je sais pas comment. C'est les points de compétence, ça par contre, je pense que ça comptera pas dans le 100%. Donc je sais pas si on fera les platines. S'il faut avoir tous les platines, tous les points de compétence, j'utiliserai un guide donc. Snake. Snake, fais-moi l'amour. Alors, cet ennemi-là est beaucoup trop stylé. Oh, c'est le chapeauté. La cape en acier, c'est stylé. Oh merde. J'arrive pas à aller bien droit. Ah bah, chat perché. Village perché, c'est pour le chat perché, chapeauté. Non, je sais pas. Tellement omnibulé par le chat avec son sa cape d'acier que j'avais pas vu les quatre joyaux quoi. Mais c'est un désert. Ah bah je l'ai récupéré, je pensais que j'avais raté un joyau. Comme quoi il faut pas. Et puis on arrivera par là-haut. Les level design sont vachement impressionnants dans le sens où t'es quand même souvent. Tu fais souvent une boucle et c'est vachement naturel dans le design du niveau, je trouve. Mais eux ils sont super relous. Oui, hein. Ah mais t'es là. Toi tu vas vite toi. Non, mais t'es sérieux là. On prend des virages tellement serrés. Ça me fait plaisir. Alvor. Ils ont ces noms les dragons. Que des noms chelous. Comment un dragon peut-il faire brûler une armure en métal? N'oublie pas Spyro, les flammes ne servent à rien contre le métal, mais chargé à coups de corne, c'est efficace. Ah et du coup Mook, je t'ai pas dit, mais en fait Battlefield 5 que j'ai critiqué comme un connard, et ben il est réellement bien. Genre ça va, le truc que je reprochais dans la bêta, ça y est plus. Enfin je sais pas dans le détail si ça vraiment, si c'est vraiment plus là ou si ça a été changé, mais au niveau feeling des armes je trouve. Ah, il y a un canon quelque part. Au niveau feeling des armes, je trouve vraiment beaucoup mieux. Elles peuvent lancer un truc d'explosif, c'est ça? Non, ça se passe comment? Non, donc faut pas que j'utilise elle.
Mais au niveau feeling des armes, c'est beaucoup mieux, je trouve. Je sais pas, ça se trouve que c'est déjà aussi bien que ça dans la bêta. Et surtout au niveau du. Moi j'aimais pas le fait qu'on ait jamais de munitions, etc. Et ça, ça tout est fixé, et c'est vraiment bien. Le feeling des armes est incroyable. Genre là, vraiment, j'ai débloqué la carabine à main. Hein. Hey, qui a-t-il de l'autre côté de la super rivière? Fais un vol plané pour aller voir. Ok, cool. Par contre, je sais pas comment j'ouvre le coffre qui est là, en vrai. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé comment on voit le truc. Ça c'était bien caché là. Oh, ça va être crack. Non, ça va, large. Les trucs qui font les murs visibles en fait. T'as encore demandé pour tes tickets resto? Ou t'es encore allé à Renault pour ton habitat? Atteint le point le plus élevé du village perché. Tu peux aller pratiquement n'importe où d'ici. À ta place, j'utiliserai le tourbillon là-bas. Non, t'es sérieux? Pare-brise fissuré, tu sais que j'ai jamais eu de pare-brise fissuré en... Je sais pas. Alors là par contre un vrai mystère. Là par contre pour le coup il me manque vraiment beaucoup en fait. Là il m'en manque 35. Trop près du camion, ça a dû prendre des projectiles près de poire. Alors là, pour le coup, j'ai aucune idée d'où ça peut être. Je vais aller par là, mais... Je vais pas aller plus loin. Non, c'est le décès. Allez, in extremis. Putain. Ok, c'en est que deux. Mais ça joue.
que tous les chaudrons sont allumés. Ça c'est l'Allemagne, hein. Tu sais, à une époque les Allemands c'était pas ça. Alors là. Dans un aussi petit niveau, je vais récupérer ce qu'il y en avait là ou pas. Ouais. What? Là, ça va être crack. J'ai vu qu'on pouvait sauter à travers le... Bon, j'ai qu'une seule idée qui me vient à l'esprit. Mais l'inspection du travail luxembourgeois, c'est pas pareil, non? Ah, je suis mort. Fallait le tenter, hein, derrière la cascade. Ça peut être fou, sérieux. Tout ça pour des tickets resto, quoi. Et j'avoue, là, il me manque 35 joyaux. Quelqu'un a une idée là dans le chat? C'est par là. Encore si je vais dans l'eau, je suis mort.
faire le tour de tous les chaudrons, mais... s'allumer en fait. Non, peut-être pas. Je vais allumer tous les chaudrons. Délire. 367 et on monte 33. Atteint le point le plus élevé du village perché. Tu peux aller pratiquement n'importe où d'ici. À ta place, j'utiliserai le tourbillon là-bas. Incroyable. Le niveau est tout petit, il me manque 35 gemmes. Il doit y avoir un endroit où on peut sauter. Je suis choqué et déçu. De prendre une vision d'ensemble en fait. Et vraiment. Thank you.
qu'elle me rend fou en plus. Quelqu'un a une idée? En même temps, vous êtes 4, mais il n'y a que vous qui parle. Putain, j'ai trouvé. Non mais c'est une blague. J'ai pas la clé forcément. Putain, il y en a 25, il me faut juste à trouver la clé, je sais pas où elle est. Recherche les gars sur où est la clé. Je passe un épisode sur ce niveau entier, c'est la dèche. Deux doigts de googler pour savoir où est la clé, hein. Je vais pas vous mentir. Alors là, pour le coup, déjà pour voir qu'il fallait aller là-bas, merci, mais. Là c'est chiant. Village perché en anglais, je sais pas. Non, ça me fait chier de le googler en fait. J'ai la flamme de traduire en plus. Je vais la trouver. Je vais la trouver sans googler. On va voir si j'ai la clé. De toute façon, on se revoit. Quand même par curiosité. En fait, il n'y avait pas besoin de clé. J'aurais pu la chercher longtemps. Hein. Je crois que le pire, c'est que du coup, si j'avais googlé, j'aurais même pas trouvé, ça m'aurait saoulé. En fait,
fait non, c'était juste le taper dedans. C'est la honte. C'est la honte. J'espère que le prochain mini-niveau aura plus vite parce que là c'est la honte. Bon ouais, j'ai bien aimé le niveau. En fait c'est ouf, les niveaux ils sont tellement petits. J'ai vraiment hâte de jouer au 3 du coup pour voir si... Si c'est que pour Spyro. Hein? Enfin j'ai hâte de jouer au 2 ou au 3 pour voir à quel point... Parce que là les niveaux me paraissent tellement petits quoi. Si par exemple dans le 3, il y a deux niveaux qui se passent avec des pandas, et ben j'étais persuadé... J'ai reçu un message de Mook, donc c'est certainement Weakness Disgust Me, parce que je le connais par cœur, mais voilà. Bref, c'est pas ce que je disais. Par exemple, là, pour le 3, j'étais persuadé qu'il y avait deux niveaux chez les pandas, alors qu'en fait, il y en a qu'un. Du coup, j'ai trop hâte de rejouer au jeu, et j'aimerais comprendre pourquoi en fait, il y en a qu'un. Dans ma tête, il y en avait deux, je sais pas. Pim, pim. Ping. Docteur Champ. Bah oui, c'est le seul truc que tu m'envoies tout le temps. C'est comme quand Prophète me traite de noob, ça me saoule tellement. Fallait être réactif. Qui est séché dans le vide. Je trouve ça très drôle les ennemis, comment ils font des règles, c'est rigolo. Genre là, elle leur tape dans le dos et ils nous attaquent. Alors là, c'est en train de me faire rect. Ah non, ça va, j'étais encore dans les frames d'invincibilité. Chez. Never forget. Ah ah ah. Le docteur Shem se croit tellement les designs cool. Des dragons sont excellents. Je sais pas ce que c'est de l'entendre parler encore et encore. Mais laisse-moi te dire un truc. Il devrait surveiller ses arrières. J'ai déjà 169 gemmes sur ce niveau, sérieux. Petite gemme de 25, là bien planquée, la gemme violette, la meilleure gemme du jeu. En tout cas, je crois que même pour le 3, c'était la meilleure du jeu. Par contre, ah déjà, putain, j'aurais plus personne qui me parlera sur le chat. Dans le 3, je croyais que les tornades qui ont volé dedans les reprenaient, mais je suis pas sûr. Je vais pas m'avancer trop vite. Ah mais c'est lui le docteur Chen. C'était pas très compliqué mon pauvre vieux. Hein. Oh pas mal ça. Très bonne strat, j'aime bien. Ouais, comment j'en sais esquiver. Easy. On va falloir être vigilant, j'ai plus de parc. Déjà ça va être chiant pour ramasser les gemmes. Okay. Oh,
Gemme de 25. Ouais, 100% direct. Il était très cool ce boss. Super simple, mais très cool. C'est marrant, dans ce jeu, il n'y a pas de niveau où on plane à l'infini. Hein. Enfin, où on vole en fait, carrément. Bah, sur ce bonne nuit, hein, donc alors. Oh, ça a été vite réglé là. 300 gemmes, rapidement. Un prophète, il est même pas venu quoi. Scandaleux. Proprement. En fait, vous ne pouvez pas avoir le nombre de vies. C'est ça en fait. Vous voyez que mon nombre de vies. Vous voyez les gemmes, c'est plus important, je pense. C'est absurde. Le mouvement que j'ai fait était absolument pas malin. Vol de nuit, allez. Vu le nom, peut-être que c'est un niveau où on vole à l'infini. Ah. Alors on peut tout faire en une traite, hein, donc. Merde. Il suffit d'un fail, on va recommencer. Hein. Bien sûr. Bon les gars, je vais pas vous mentir, j'ai vu des extraits d'un autre niveau de vol. Et je pense qu'il est dans le premier monde. Donc, c'est pour ça que j'étais étonné. Donc on va retourner dans le premier monde. Je pense que j'ai raté un niveau. Ça serait pas drôle. Ça serait bizarre. Ça suffira ou pas. Au pire, je découvre. Hein, c'est pas grave. On va essayer alors. Ah, en fait, faut pas partir là-dessus. Faut partir là-dessus. Ok, pas sûr. Ouais, t'es où les suivantes? What, les lumières? Attendez, faut que je trouve le chemin pour les lumières. Non, mais faut trouver le chemin optimal en fait. À chaque fois, en tout cas dans le 3, t'avais vraiment un trajet optimal à faire. Donc, non, pour moi, on va bien faire. C'est juste pour les coffres, le moment où tu remontes en piqué, c'est chaud. En plus, là, il nous dit clairement qu'il faut aller là. Quoi. Peut-être que derrière, faut pas aller vers les portes électriques, mais faut aller directement vers les lumières. En termes, je sais pas. J'en ai raté une, non? Ça s'enchaîne bien.
J'espère juste que j'en ai pas raté. Ça va jouer au poil de Zizi. Le poil de Zizi. Le vraiment, c'est un poil de Zizi près, quoi. Où est-ce que j'ai perdu du temps? J'ai pas l'impression que ça allait bien plus vite. Après, peut-être qu'il faut mixer les... Je sais pas. Fait que le tout en un quoi. Non bah non, les lanternes aussi je les ai pas eu, je suis con. Il y a pas mon genre d'accélérer comme ça là. Ah je le garde mais on a besoin d'avoir gagné du temps pour ça. Il partir en plus. Je crois que la dernière fois j'étais passé par l'extérieur et là il faut en fait en passant par l'intérieur ça va quand même se jouer un poil de ZZ hein. On va pas se mentir. Non, ça va, c'est plus large que la dernière fois. Allez, on va retourner dans le monde 1 du coup, je vais vérifier ma théorie. Non, je vais quitter. En vrai je vois pas mais j'en ai forcément raté un, hein. J'ai vu des extraits dans les gameplays tout ça à l'époque du premier. Ah merde, faut que j'aille voir l'autre, ok. What? J'ai trop eu surpris d'avoir été touché là. Du coup je sais qu'il y en a un autre et qui a l'air beaucoup plus simple que celui-là donc. Je n'arrive pas à croire. Si tu es prêt, monte à bord et en route pour le monde des ouvriers magiques. Je suis pas retourné dans le monde 1. Si en fait. Je peux. En fait, c'est pas à l'intérieur d'un niveau même. Allez, moi j'ai fait colline de pierre, vallée obscure, place du village et Tosti.
Genre, je suis pas sûr d'avoir tout vu en fait dans ce niveau là, c'est pour ça que. En fait, je me souviens de pas être allé à un endroit, mais ça se trouve, c'est moi qui ai un faux souvenir, c'est possible. Non, mais c'est obligé qu'il y ait un niveau en plus. J'ai vu des extraits, il y a un train et tout. Je suis quasiment sûr que c'est pas après. Chelou. C'est quand même super chelou. C'est quand même très fun. Oh, oh, je déconne, je suis allé voir. Soyons honnêtes. Comment on peut deviner? Comment peut-on deviner? Ah, les salauds, ils l'ont bien caché. Ah, je suis désolé, je suis allé voir là entre temps parce que j'ai déjà vu ce niveau. Et en fait, tout à l'heure, j'ai sauté sur les plateformes et j'ai pas dû calculer qu'on pouvait passer comme ça. C'est un peu de la triche, me diriez-vous. Ce jeu m'a bon en fait. Ah, puis c'est bien comme ça. Ah bah voilà, je le reconnais. Attendez, mauvaise strat. Je devrais réapparaître au début. Du coup, ça va être pas mal pour faire les coffres qui sont là, apparemment. Ok, d'accord. Est-ce que je trouve remarquablement bien fait dans ce jeu, dans ce genre de niveau. C'est vraiment que c'est un chemin tout tracé pour faire chacune des épreuves. Oh putain, bon, par contre, ça. La manœuvre, les gars. Ah, par contre, ceci est beaucoup plus simple que l'autre. Hein. Ou alors, peut-être qu'à la base, ils ont pas pensé à qu'on prenne les rails en marche arrière, je sais pas. Ah, c'est quoi le dernier, par contre? Ça serait un peu con de s'amuser. Ah, je pense que c'est les avions. Ah, du coup, non, faut peut-être faire les avions avant. Bon, après, j'ai grave du temps, mais. Ou alors, tu fais les avions pendant les. Je sais pas. Putain, encore 20 secondes, quoi. Ça va. J'ai géré. Non, je quitte. Et bon, on va se laisser là pour cet épisode. On va se retrouver. Du coup, bah, je vais me téléporter dans l'autre niveau. Je couperai l'épisode pendant le temps de chargement. Donc, prochain épisode, on va finir Belmonde 2 et attaquer le monde 3. Je suis désolé d'avoir un peu triché pour voir ce monde-là, mais je savais qu'il était dans le niveau 1. Et en vrai, au début, j'aurais pu me rendre compte des plateformes. Là, clairement, je ne suis pas rendu compte. J'aurais pas retrouvé. Pas retrouver comme ça. Voilà, du coup, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite du Let's Play sur cet excellent jeu, même si c'est le moins bon de la trilogie. Donc, ça annonce du lourd. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut à tous. L'aventure continue.
D'accord. C'est pour moi qu'il le dit, c'est le jeu.